Nous jeudi à vendredi 16 février 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer là pour nous capoter pour la dernière sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer un excellent week-end. Mais principal point cap pour faire essentiel la dernière sortie journal pour jeudi à président commission condition, président commission condition famille avec droit femme, chambre députée Gladil Saint-Jean lundi exprimé préoccupation sur calamité marchande Hippolytio qui vient marchandises yo boulé. Député a encouragé gouvernement à prendre toute disposition pour supporter marchand si la yo. Président République Jovenel Moïse visité plusieurs médias qui étaient représentés sur parcours carnaval là pour informer yo de mesures administration l'emprunt pour accompagner marchand qui est victime d'incendie marché Hippolyte là. Une ligne électrique inaugurée hier jeudi 15 février dans la 4e section communale Belleville-la-Montagne, dans Pétionville. C'est Mastra commune Dominique Saint-Roch avec Azekla Wilson-Joseph qui dirigeait la cérémonie ici-là. Si ensemble, Prince Awakan Pilote, capable de faire essentiel le journal, arrêtez branché, n'a pas tourné un petit moment. Merci parce que toujours été chez Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans la dernière sortie téléjournal pour semaine si là. Rapidement, on a démarré avec information pour une fois qu'on est président commission conditions famille avec droit femme chambre députée Gladil Saint-Jean lundi exprimé préoccupation li sur calamité marchande Hippolytio qui gagne marchandise qui boule. Député lundi encourager gouvernement prendre toute disposition pour capable si pour des marchands si la yo président commission pas écarté l'idée pour rencontrer avec comité interministériel qui chargé pour travailler sous dossier si la pour discuter avec un invité suivant extrait de micro fédéral confident avec Moïse Ulbrich en tant que président de commission conditions féminines et équité de genre. Et quand moi qu'on est depuis au parler de marché, depuis au parler de secteur informel où est en majorité femmes yo, depuis au parler de marché où est les madame Sarah. Donc, qui c'est de monde, malheureusement, qui paraît côté pour crier. Donc, moi, je crois que c'est moi-même, dans la limite, pas qui pour crier pour eux. Et c'est cri ça, justement, moi, je viens poter, je dis là, pour moi, dire que le gouvernement, il faut qu'il prenne toute disposition pour que yo fait un recensement en règle. C'est pas de monde qui pat machin qui vient précéder au machin et puis véritable machin pour que yo même pas bénéficier rien, mais c'est pour faire un recensement en règle pour yo réparer mon yo, pour yo supporter mon yo, parce que me connais au fait depuis mon a perdu marchandise, c'est pas évident que réparation que vous pral bali en pral est proportionnel avec ça que lui même li perdu, mais moi crois que faut yo bay moun yo assistance réelle et en même temps pour yo prendre toute disposition pour que genre de cas ça yo pas continuer à répéter dans pays a, parce que nous sommes pays qui malheureusement que a dit qui pauvre, bien que connaît nous sommes pays qui charge richesse, mais nous, richesses sont tellement mal distribuées que nous avons l'impression que nous sommes un pays qui est pauvre. Commission interministérielle qui est sous pied, a gagné un ministère à la condition féminine et aux droits de la femme qui fait partie intégrante de la commission. Ça. Donc, moi, je crois que l'idée de bon temps pour que la commission condition féminine dans la Chambre des députés réunit avec la commission interministérielle ça pour garder. Et question ça et peut-être que vini avec des propositions et qui pour permettre que et yo joine un dénouement dans crise ça yo joine une façon qui peut-être est plus dire raisonnable et qui pour capable résoudre et problème ça et permettre que moun yo continue vivre. Voilà ta suivi intervention député Jérémy Gladys Saint-Jean lundi. Président République la Jovenel Moïse visité puis by interview mardi 13 février avec divers médias qui te gain 5 yo sous parcours carnaval 2018 là. Objectif viré on ça c'est pour être capable fixer position exécutif là sur incendie marché Hippolyte là dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février 2018 là. Chef l'État qui te gain avec les premières dames République la Martine Moïse exprimé solidarité li coupe présidentielle là avec marchand sa yo qui perdit marchandise en bas gros difficile là. Reportage Sabine Jaitienne avec Jonaël Duvernier a présenté un compte rendu en un suivant.
Interview président Jovenel Moïse Bay dans divers médias qui étaient sous parcours carnaval là, vini tout de suite après visite l'étal fait dans marché Hippolyte pour te gon idée de dégâts di fait affaire dans espace là. Interview sa yo c'est surtout pour arriver mettre population au courant de dispositions administration l'emprunt pour accompagner victimes yo sans perdre de temps. Rapidement jeudi matin, moi instruit premier ministre qui vient t'informer que lui instruit ministre affaires sociales là pour que dans niveau affaires sociales, il y a des chèques rapidement pour sortir pour encadrer ces marchands dans le premier temps. Et dans le deuxième temps, on base de données, toutes les marchands. Nous parlons de faire un travail par étude de cas. Parce qu'il y a des gros marchands, des marchands moyens, des petits marchands. Pour nous capables de venir, pour nous accompagner toutes nos affaires de crédit, un type de crédit bonifié, un crédit côté faible intérêt. Et puis tout pour nous protéger les gens qui ont bien, qui ont hypothèque pour la banque passer. D'après chef l'État, premier élément enquête là, t'as laissé quoi du feu qui éclatait dans le marché Hippolyte dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février, pas innocent. Président Jovenel Moïse Bay garanti, yon fois enquête là abouti, la justice pas prêté bras croisés devant coupable. Il semblerait que gagner de mes criminels dans du feu ça. Moi dis si c'est avant ça, moi je t'en parle avec le premier ministre. Pour le passer ministre, justice la instruction pour que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement, quel que soit moun, quel que soit moun, dans n'importe niveau social, politique, économique, depuis où c'est côté, auteur intellectuel, crime ça passé hier soir, la justice a brisé sous. Parce que le pays a bouqué avec crase et brisé. Nous ne pouvons pas faire mon cri encore. Je dis à nous venons au moment pour nous faire mon rire. C'est un moment ça n'y est pour nous mettre que content dans le pays. Sous parcours, troisième jour de filet gras, groupe T-Vice annoncé, il paraît pour faire un concert spécial. Côté où cette activité ça pral servi directement pour aider machin victime marché Hippolyte. Parler avec tout bagay, je vais même parler pour monter dans la bataille là. Ok, pour collaborer, pour reconstruire marché à qui le boulot hier soir. Je parle pour faire concert gratis, pour jouer gratis, pour bâtir machin ça yo. Tout bagay yo sur tête yo là. Plusieurs autres groupes musicaux et artistes promettent pour aider victimes yo dans mes yeux capables. L'autre information dans le journal, la magistrat Cité Soleil l'argent Islain Frédéric a dressé un bilan positif sur le carnaval qui a été réalisé dans la commune. Si là, malgré mes moyens, les immériatés gagnent dans la population Cité Soleil a été arrivé pour un plaisir. Le magistrat a souhaité secteur privé et public là pour te coller à qui dans l'autre année qui a pu venir. Nous avons extrait dans le micro Richardson Joudan avec Henri Robert Chéri. Nous faisons carnaval, nous avons commencé à 5h de l'après-midi et nous finissons à 10h du matin. Et nous avons un grain blessé et nous avons un grain monde qui fait une tentative pour te casser une vite machine. Donc en gros, c'était deux problèmes ça nous avons rencontré dans le parcours carnaval là. Et ça nous a rencontré comme yon, ça qui t'a fait beauté carnaval là, c'est que tout le monde Cité Soleil était paré pour carnaval là. C'est malheureusement nous avons demandé nous on a besoin de deuxième jour mais nous pas prêt pour deuxième jour. Nous avons fait un grand jour parce que moyen était faible et nous pas joindre aucun monde qui assiste nous sauf que nous te joindre meuse dans dernier moment qui t'ai fait nos cadeaux 75 000 gourdes et que par rapport avec un ensemble d'imprévus que nous te gagne nous pas faire grand chose mais quand même nous dit merci parce que c'était un accompagnement que le te ban. Mais nous fait un carnaval pour première édition commune Cité Soleil là avec 1 million de gouttes qui c'est cob Cité Soleil. Nous avons deux chats. Donc pour gagner deux chats, premièrement, un seul chat seulement coûte 552 000 gouttes. Donc ou une dynamique que nous arrivons à réaliser activité ça. Donc nous avons pour faire un carnaval surtout dans la commune Cité Soleil qui sont communes qui très très différentes par rapport avec l'autre commune. Donc bon, c'est respect à comprendre samedi là. Nous avons déployé tout ça nous connaît pour que nous arrivions à faire le carnaval là possible. Et que moi-même, magistrat, nous là directement dans le parcours. Nous faisons tout le parcours avec tout le chat pour que nous ayons une sorte de position pour ne pas peur. Parce que nous comprenons que Cité Soleil, il fut un temps, pas de monde qui t'a venu. Mais nous avons fait le lancement carnaval, ça nous fait première édition. C'est pour nous dire tout le monde que Cité Soleil est ouvert. Il est ouvert pour recevoir investissement.
Et nous faisons une journée carnaval. Nous commençons depuis 5h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin. Et nous faisons un parcours fait noir. Donc, en pile côté, nous passons par un éclairage, faute de moyens. Et nous avons un problème logistique tout à calé. Alors, depuis pas de moyens, pas de logistique. Donc, bah, c'est moyen, c'est logistique. Donc, depuis pas de moyens, pas de logistique. Et je pense que tout ça, c'est des bagailles que nous allons arranger l'année prochaine, qui va permettre que nous puissions bien accompagner la population dans 2 jours de carnaval, parce que l'année prochaine, il y a 2 jours à faire, dans 2 jours de carnaval. Magistrat Petionvilla Dominique Saint-Roch est en tête, collé à AZEC, 4e section communale, Belleville-la-Montagne, Wilson Joseph. Inauguré jeudi 15 février une ligne électrique dans l'habitation Chambon 4e section communale Belleville-la-Montagne qui trouvait dans Pétionville. Ligne électrique si là après pour desservir 3000 moun dans l'habitation Chambon qui trouvait dans 4e section communale Belleville-la-Montagne d'après AZEC Wilson Joseph. M'a invité à suivre. Moi-même moi c'est AZEC. Magistrat son c'est magistrat Pamlié, donc nous toujours dal faire demande là dans bureau et magistrat te recevoir à cœur. Donc normalement des fois gen moun qui toujours dit que AZEC pas ka faire projet, mais magistrat Dominique li te recevoir moi, donc li pas fait distinction. Nous fait plusieurs tentatives, nous parler plusieurs fois, mais il te toujours dit pasteur ou maître tétan et bien m'a fait projet à quand même. Donc journée jodi a projet ali atterri dans zone là, son fierté pour nous. Magistrat levé tête nous en pile l'autre zone t'a minimiser nous, mais grâce avec Maïssa Dominique Saint-Roch, nous avons dit lever tête nous bien aujourd'hui. Alors toute population recevoir projet à cœur. Son fierté pour nous, son cœur content, parce que aujourd'hui, nous sommes fait noir et nous avons lumière grâce avec Maïssa Dominique. Projet a capable de servir près de 3000 personnes dans la population. Son projet, nous avons fait Maïssa part de ça, donc mois août et 2017. Là. Nous t'ai parlé de ça dans le mois août 2017. Donc rapidement, nous pas prendre en pile temps. Donc là nous prend mois août 2017 à mois de janvier 2018. Donc ça capable ba nous et environ 5 mois. Alors moi même pense que c'est une merveille, vous comprenez, parce que des fois gien côté et gien des moun tout gien des instances qui connent faire n'importe 3 à 4 ans, 5 ans pour financer un projet, mais normalement Maïssa Dominique, donc dans environ 5 à 6 mois, donc il réalise le projet ça ben nous. Toujours dans le même dossier, si là, magistrat Pétionvilla Dominique Saint-Roch fait connaître projet ligne électrique, ça rentre dans le cadre d'un projet mairie à gagner pour bâillon accès à courant dans une distance de 2 km en plus vite suivre. Un bout d'intervention magistrat Dominique Saint-Roch qui est magistrat commune Pétionville. Bon, un sentiment de contentement. Et c'est nous-mêmes au niveau conseil, nous prenons toutes dispositions nous pour que les gens marginalisés, les gens nous toujours laissés pour compte, pour que nous gardions qui gens nous capables de porter besoin puis élémentaires pour eux. Nous sommes venus là dans le mois de septembre, nous faisons constat à proximité de la ville, à quelques kilomètres, déjà les gens ne peuvent pas sacrer l'électricité, hein, c'est à forte distance que y a pour elle. Donc nous prenons disposition pour que nous menions le courant bas. Et là, ça pourra permettre que nous travaillions sur le projet. Un projet sur 2 km route qui coûtait 3,592,000 goudes et qui prend 27 poteaux. Et là, nous annexons à plusieurs habitations. Donc, nous pourrons continuer au fur et à mesure. Et ça fait nous avons invité le ministre intérieur pour le venir, pour le capable de voir qui problème qui gagne au niveau section. Yo. Donc, il n'y a pas de chance privée, mais quand même, nous voyons un représentant du ministère là, qui en a avec nous. Donc, là, c'est avec fonds mairie, c'est budget mairie. Nous insérons dans le budget un montant que nous allouons à investissement et c'est dans le montant ça que nous décaissons pour que nous capables de faire projet ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents de nous arriver là, nous permettre que mon Chambon joigne courant le 20. Et à 3h, nous avons inauguré le courant dans la zone de Cap-François, donc nous avons avancé au fur et à mesure, nous avons mené et tout ça qui gagne en termes de besoins élémentaires, joint nous. C'est responsabilité AZEC, KAZEC, zone, l'autre élu local, yo même pour être capable de gérer. Cependant, depuis une demande pour que nous soyons capables de faire connexion, qu'on a fait projet, mais FIMNAN doit faire une demande, une autorisation de EDH pour être capable de faire connexion. Déjà, il y a une planification pour faire demande de compteur. Là, nous avons 3 transformateurs. Nous avons 3 transformateurs. Matin qui sous place, nous gagnons 6 lampes de rue, mais constat que nous faisons c'est que les paysans ont dit nous ça le matin bonheur, la zone en fait noir en pile, donc nous pourrons ajouter à peu près 10 lampes pour que la zone soit capable réellement éclairée.
L'autre information dans le journal, le président de la République, Jovenel Moïse, remet 11 février passé à l'équipement de la direction départementale Grandance, travaux publics, remise matérielle, ça a fait en présence du Premier ministre Jean-Guy Lafontaine, sénateur Sorel Jacinthe, avec divers lots élus dans le département Grandance. Et ça y aurait lu ça que Michel Joseph a présenté un compte rendu à nous suivre. Si yon le matériel l'eau qui gen la dan, camion, pelle excavatrice, l'odeur ak divers lot engin ki capable et puis doit servir dans divers travaux publics. Yo pral participer tout nan renforcer capacité direction départementale grandance travaux publics nan mission et puis avancer à caravane changement dans département. Yon démarche et les différents niveaux département grandance applaudi. Député, sénateur, kazek yo, nous sot discuter ça en dan, c'est ça qu'on a prendre comme ça. Comment pour ensemble pour nous faire développement avec ça nous est là. Parce que Pisegaye pas fait kim. Pisegaye pas fait kim. Donc si nous mettons nous ensemble et nous disons que nous avons un forum et chaque mois nous avons réuni et le président l'a venu chaque trois mois. Donc c'est là avec direction départementale que nous allons faire développement grand instant avec le président, avec le premier ministre et nous tous ensemble. Donc parfois nous misons, mais je dis entre nous, nous avons de bonnes nouvelles. Président République, là, Jovenel Moïse, pour tes précisions sur capacité, équipement, ça y est, travail, yo doit réaliser dans le département. Interconnexion différentes communes, tirage rivière, assainissement, pour ne citer ça ou seulement, c'est ensemble programme, chef l'État, dit administration, là, pas quitter sans réaliser. Lundi, n'a pas quitté 4000 km route dans le pays, asphalté pendant 4 ans de crédit, nous ne pas en l'air. Nous disons chaque département dans le pays, il y a 10 départements, chaque direction départementale va l'obliger de faire 100 km chaque année. Ça veut dire direction départementale, grandance, il y a obligation pour faire 100 km route chaque année. Ça veut dire 100 km route bien faite, ouvrage. Nous parlons directeur départemental là déjà, ministre clair avec lui. Si il y a un côté pour faire pour pas sous compte direction départementale là, ministre là, après le travail avec compagnie qui fait bon, pour venir faire bon. Si il y a un petit ouvrage qui peut faire, direction départementale là, avec particularité que grandeur n'a gagné, parce que nous avons une usine béton que l'autre département n'a pas gagné. Comme dit nous ça, c'est le seul département grandeur aujourd'hui que l'État possède une usine béton sous lit. Ça veut dire que l'autre département n'a pas gagné. Particularité ça, a fait que tout ouvrage que nous besoin faire dans le département, béton, est capable de faire ouvrage bien vite. Nous avons grandeur aujourd'hui, route caille, Jérémie, coûter l'État haïtien, c'est pour nous ouvrir les oreilles, nous, pour nous connaître ça. On route qui a construit depuis 2008, je dis en 2018, ça fait 10 ans. De coûter l'État haïtien 300 millions de dollars. Route ça, 100 km route. Et moi-même, moi dis nous ça, 100 km route, coûter l'État haïtien 300 millions de dollars. Je dis à ma dit nous, nous-mêmes, nous prenons décision pour nous faire 100 km chaque année sur chaque département. Il y a 10 départements multipliés 100 par 10. Nous tous ces étudiants nous venons derrière dans l'école, pas un monde qui garde là. Avait dit, ça veut dire 100 multiplié par 10, ça fait nous 1000 km. C'est ça que nous pouvons voir pour nous mettre sous pays à chaque année. Et chaque direction départementale, moi dis, moi je ne vais pas le chita dans le marché chaque semaine, venir coller dans le directeur départemental. Moi là pour me venir visiter chaque 3 mois, moi-même, dans la caravane, dans le mal mettre en gros équipe pour me curer. Toute rivière qui est dans le pays, c'est ça que je vais superviser avec le Premier ministre. Il y a 60 gros rivières qui méritent de curer dans le pays. Parmi lesquelles, Grandance, il y a n'importe 7 là-dedans. Grandance, c'est une parmi 10 départements pays qui recevoir matériel dans le cadre de la démarche président Jovenel Moïse pour équiper différentes directions départementales. Pour qu'on y a, c'est tout pays qui prend un chantier à travers caravane changement. Merci à qui collaborateur nous Esaïe Aurélius avec Michel Joseph. C'est là toujours dans la caba pour mal bien. Mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble point qui te fait essentiel. Nous dit fait président commission conditions famille avec droit femme chambre député Gladys Saint-Jean lundi exprimé préoccupation li sous calamité marché Hippolyte qui gagne marché Dizio Boulé. Député a encouragé gouvernement prend toute disposition pour capable supporter marché si là. Président République la Jovenel Moïse visité plusieurs médias qui représentaient sous parcours carnaval là pour informer de mesi administration l'imprend pour accompagner marchand qui victime d'incendie marché Hippolyte là.
Yon électrique inaugura hier jeudi 15 février dans la 4e section communale Belleville-La Montagne, dans Pétionville. C'est magistrat commune Dominique Saint-Roch et avec la Wilson Joseph qui était dirigé cérémonie ici là. Voilà, nous sommes contents ensemble avec commentaire pour être capable de porter pour la dernière sortie téléjournal là pour semaine si là. Nous avons vite arrêté pour chaîne 8 là, puisque l'information après pour suivre sur l'antenne l'État. Nous avons souhaité tout le monde passer un excellent week-end.